que de Dieu le Père, bien-aimé, a souffert. Il a souffert. Il a beaucoup souffert, c'est Jésus. Est-ce que nous sommes plus, nous avons plus de valeur que Jésus? On est plus grand que lui? Si Dieu a beaucoup souffert, à combien de fois vous et moi? Pourquoi un chrétien, une chrétienne n'arrive pas à supporter la souffrance, le frappe de Dieu? Pourquoi il n'arrive pas à supporter les épreuves de Dieu? Oh my God! Mais tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un disciple de Dieu. Oui, je comprends, tu es chrétien, chrétienne, mais tu n'es pas disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus doit supporter les épreuves, la frappe de Dieu. Noir sur blanc, si c'est en couleur, la vie chrétienne, bosana. Roma et Pagina, yo, yo, on a le nom, il n'est pas Yesu. J'aurai le mariage, j'aurai le bébé, j'aurai ceci, j'aurai une belle voiture. Bien aimé, l'évangile de la prospérité a commencé par le pauvre diable dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi beaucoup des âmes de Dieu sont égarées. Le pauvre diable a fait voir à Ève la prospérité. Mange ses fruits. Jésus était venu pour dire à son peuple, le royaume des cieux, le royaume des cieux. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça l'évangile de Jésus. Cours derrière l'évangile de la prospérité. Tu te croiseras avec la mort. Oh my God, tu voulais trouver la prospérité, quel éternel Dieu, obéis-toi à Dieu, quel éternel Dieu. Amen. My God, c'est la révélation. Merci. Tu es Dieu, 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 tu es Confions en ce moment entre les mains de Dieu, le moment de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, Jésus puisse nous parler à travers son esprit, à travers sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire à ton Seigneur, cher Saint-Esprit, Jésus, le roi des rois. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, avec toi, nous ferons des espoirs. Nous sommes arrivés au moment de ta parole, Seigneur de gloire. Jésus, nous voulons que toi seul, que tu puisses nous parler à travers ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, témoigne Jésus en cette heure-ci. Oh, Jésus, le roi des rois, tu es incomparable, l'agneau de Dieu. Tu es incomparable, Shaddai. Tu es Dieu, tu resteras Dieu le Tout-Puissant. Merci, Seigneur de gloire. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père. Seigneur, suis les guerriers. Suis un simple instrument, Seigneur. Que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. S'il te plaît, Seigneur, utilise-moi puissamment, Saint-Esprit. Oh, toi, passe, Saint-Esprit. Gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur. L'agneau de Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. O kondina lola yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama, o kondina lola yo kumama Yahweh, o kondina lola yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama, lola yo kumama Yahweh, o kondina.
Hallelujah,
Dépasse ta personnalité. Dépasse ta personnalité. Élève maintenant Jésus en ce lieu. Élève Jésus qui est dans ta vie à toi. Parce que tu n'es que rien. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu n'as pas de la valeur. Dépasse-toi. Finis-toi maintenant. Élève Jésus en ce lieu. Élève Jésus qui est dans ta vie à toi, bien-aimé. Si Jésus ne te donne pas le souffle de vie, tu ne peux jamais être ce que tu es aujourd'hui. Donc élève Jésus maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Sans toi, Père de gloire, suis les guerrières. Sans toi, suis les guerrières, Jésus. Voilà pourquoi à cette heure-ci, je t'élève en ce lieu. Je t'élève dans ma vie, Seigneur. Je t'élève dans la vie de mon fils. Je t'élève dans la vie de mon époux. Je t'élève dans son église. Je t'élève au-dessus de ma prévue. Jésus, le roi des rois. Je t'élève au-dessus de ma famille. Je t'élève, Jésus, le roi des rois. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Je t'élève, Père. Je t'élève, Père. Je t'élève, Père. Je t'élève, Père. Je t'élève, Père, en ce lieu. Domine-toi en ce lieu. Domine ce lieu. Vous placez. Jésus, 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 Jésus. Nous t'invoquons. Je t'invoque, Jésus. Je t'invoque, Jésus. Je t'invoque, Jésus. Sois loué, sois béni, sois magnifique. Tu es incomparable, Jésus. Tu es incomparable, Jésus. L'agneau de Dieu, cher Saint-Esprit, témoigne Jésus à cette fille. Saint-Esprit, témoigne Jésus dans nos vies. Témoigne Jésus à cette fille. Jésus, le roi des rois. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Je t'élève dans ma vie, ô Père de gloire. C'est toi qui me donnes de valeur. C'est toi qui me donnes de la valeur. Voilà pourquoi je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans tout le monde de ma vie. Voilà ton Seigneur Jésus. Voilà ton Seigneur Jésus. Prends le devant. Prends le dessus de ma vie. Prends le devant. Prends le dessus de ce lieu. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Garde au silence. Laissons la place au Saint-Esprit. Alléluia. Ista Paolo sola aisti gomani ska sto faraste kana ista so mani e Paolo sola sta ista sta ste kana sto foroste lana ista rana na stera na na si ai go pora Stefano eso iri mana oro supuri apura na kure puru se fara ista umuzi na supa uniki ka unusti kana isti fosi baudi fura na ste Hiribano so erike. I ti for mani geo so maniaka. Yereba sanda mana shikiria makuria. Rebe bebe samana o. Istifa unustela auti. Glausi po wekeke mana shika. Yikina uso. I ti for ni manista uluste. Stay now, stay now, stay now, stay now. Go stay far, we stop our nigi now. So he did our sufuria sandaria basenda ro. Yeke bereshinda rabababa. Blau ti ko mani shinda yeke ni auso blau ti fo mani ge sanda yeke bele shika mana kuria bala sanda blau ti sa skuria mana shinda mana yeka baba sanda so ki bo sweli bo so na ngai now Jesus kuria mana shinda mana kuria ba seke bele sanda bo bonga maka now ba use yera ba santa mana santa bo yaka ibo so muta pamba pamba tebe ba Idi ba ufora ba seke mene koria boya kali boso anzamba munene raba ba 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 shika mana yera ba santa yaka ba 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 boya kali boso moto asimbi bo moya bino reba ba senda mana kora ba seke boya kali boso anzambo ya koka raba we sanda mana sa nzambo azange lokote raba kuria ba santa mana shike mene baba nzambo ya mona ke impossible te reba use malinge sanda nzambo ya tonda nangu ya raba Korobo sora ba 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 bobonga makare merese naraba santa boya kande kwadorenga ire mana seke boya kande kotombolanga ikoria basanda mana santa mana santa esengo na yora baseke mereshita baba esengo na yobo sondo atitidi na yora baseke mene santa ekomembe na yobi kambo agapa sokorobo shinda na kitaka
reke mene sanda gabana koria kobanda le bandeli yebana sondo robo sondo ya basata na kompanya kan yonso reke mene shika baba baba poete na salinzambe he kamara poete na salinzambe yondo ya baseke poete na salin zambe ya kaka mana sondo ya bashinda baba baba kobanda le lo rebe sanda mana santa baba na ningira mona kamite mara bino robo sondo ya basata mara ya kobonga mareke mene shinda ya kobonga maroko bolo santa tangu bozo ya di bo so na nga yike mene santa mana shinda mana koria baseke mene now Jesus koria ba santa mana shika mana ko yera ba santa mana shika mana ko raba baba rosa now jire mene seke mene shika mana na betio matoi raba na koria ba santa mana soko ya baba baba yeka mana koria ba santa mana shika na ningina mona yo raba sondo ya mana santa yeke mene shika ningina moni yo lelo te raba na kuhu yeke mene santa mani ge sanda mana shinda na ningina lobe la one sika yo moko te raba santa yeka mana poti ratansyo na yo raba santa mana shika babababababa na sana makamwe belako sana yo raba sondo ya mana kopi ya mana seke na ningina kombi sa yo reba seka mana santa mwase Motuya robo sondoria mana santa rosa bossa na reka mana shika mana rosa bossa na robo lo sona usena useke mene shika baba baba yeka mana santa now Jesus hey mani haite ho ho bossu mani rosa now Jesus kuri mana santa bossa na yeka mana shita mana santa mana chanyo sona sima talanga yeka mana santa chanyo sona sima talanga yeka mana santa mana shika baba lomi na kita kina nguya na ngai raba santa mana seke mene shita na fizita kibino ya ba santa mana na tondisa kibino yeke mene santa mana shika mana kori ya baba rosa raba koro bo sonda raba oswa ki ye ba seke mene shika mana ya botu ya rama na kori ya mana santa rosa na ngira mono oli susu kukweka mene shika baba na titiri oye na ngone lote rebe santa mana shika baba baba now Jesus koria bala shika bala koria baba baba yeka bala koria bala santa kota raba santa bala santa na mozindo na ngaiye bala seke mele eza ya kobomba mayoko bolo shinda bala oye bere yoye bite raba santa onga na bombi ni boso na yo rama na seke mele shinda baba baba yondo robo santa boyaka li boso gisente ya mana shika boyaka li boso na ngai zambo ya kela lola raba santa bala seke mele shika baba baba yanda uso rama na seke mele ogisaza yangai now Jesus koria mana shika mana koria baba baba aza yangai eke mele sanda mana shika na teli boso na bino now Jesus koria mana santa na zo kiti sa reke mele shinda mana koria ni korona ye raba santa mana shika lokola mafuta ye mana sondo raba seke oye zo kita raba seke mele shinda oya koza la dispose ramba na kore mesenda na mana Ye wananda kozua yo robo sondoria mana santa mawa na yo oyaka lokola bitide nibosonanga bayaka lokola bitide te nibosonangai bayaka lokola bitide te bayaka lokola bitide te Nasimbi vina yo na maboko nangai Nasimbi nyoso ya yo na maboko nangai Landangai na solo poyo sepela Lingangai na solo poyo pambola ma Lingangai na solo poyo Oza na mota mutuya Nasena moi oyo Nazali Zambe Emili ya rabashinda mana Ezanga inde na fongoli yomi Ezanga inde na fokoli yomiso Koboyate Ezanga yi Na yebe loko nini na lingi Sala Ezanga yi bota na yo Na yebe loko nini nga
Sois attiré à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Aide-nous, parce que nous sommes arrivés au moment de ta parole. Nous voulons maintenant écouter la prophétie par excellence, Seigneur de gloire, qui est ta parole. Dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole. Gloire à ton Seigneur Jésus. Je sais très bien que papa, c'est toi qui règne en ces lieux. Le pauvre Dieu n'a aucun pouvoir en ces lieux, n'a même pas l'autorité en ces lieux ainsi que dans nos vies. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu créateur, au nom de Jésus. Amen. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er, en commençant par le verset 8, jusqu'au 12e verset. Je lis la parole de Dieu dans Job, chapitre 1er, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. 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 Le thème de ce jour est intitulé « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» As-tu remarqué mon serviteur Job? Bien aimé, c'est l'année de remerciement. Celui ou celle qui sera prêtre, il glorifiera l'Éternel Dieu dans sa vie, il remerciera l'Éternel Dieu dans sa vie. Nous venons de lire la parole de Dieu. Comment l'Éternel Dieu a frappé sa poitrine pour son serviteur Job. Comment l'Éternel Dieu a discuté avec le pauvre diable. Et comment Satan était parti accuser l'homme intègre qui était Job. Et comment Dieu a défendu son serviteur. Comment Dieu a fait voir au pauvre diable que non, celui-là, c'est mon serviteur. Alléluia. Il est beaucoup mieux que l'Éternel Dieu puisse frapper sa poitrine pour toi. Bien-aimé, d'être chrétien, c'est bon. D'être chrétien, c'est bon. C'est bon. Mais il est avantageux et très, très bon de devenir un vrai disciple, un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, Dieu n'a pas envoyé ses disciples d'aller former les chrétiens. Nous devenons des chrétiens par rapport à Christ. Mon chrétien vient du mot Christ. Si tu reçois Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu chrétien. Baptisé d'eau et de l'esprit, tu es devenu chrétien. Mais ce n'est pas fini que par là. Dieu dit à ses disciples,
allez faire de toutes les nations des disciples. Dieu a besoin de disciples, a besoin de serviteurs, a besoin de servantes. Et Dieu n'a pas besoin de simples chrétiens. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais je voulais vous dire ceci. Ce n'est pas tous les chrétiens ou toutes les chrétiennes qui font l'œuvre de Dieu, qui font la volonté de Christ, qui respectent Dieu, qui respectent Christ. On t'appelle chrétien, chrétien, mais tu ne respectes pas Christ. On t'appelle chrétien, chrétien, tu n'as pas la crainte de Dieu. On t'appelle chrétien, chrétien, tu n'arrives même pas à faire la volonté de Dieu. Mais tu es chrétien. Alors tu dois savoir que non, tu es chrétien, mais tu n'es pas disciple. Tu es chrétien, mais tu n'es pas serviteur. On te dit tu es chrétien, mais tu n'es pas serviteur ou servant de Dieu. Alléluia. Amen. Serviteur, servante, c'est celui ou celle qui fait la volonté, l'œuvre de Dieu. Il est en train de servir Jésus-Christ. Tu es chrétien, tu sers qui? Tu es chrétien, tu sers qui? Tu cours derrière qui? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est une question que Dieu a posée au pauvre diable. Alléluia. Bien-aimé, car il y a des chrétiens qui ne servent point Christ est notre Seigneur. Christ est notre Seigneur. Car de chrétiens, il y a des chrétiens qui ne servent pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils servent qui? C'est une aussi question. Eux-mêmes connaissent très bien les réponses. Ils ont les réponses dans leur cœur. Ils servent qui? Tu es chrétien, chrétien. Alléluia. Amen. Je n'irai pas loin, bien-aimé. Alléluia. Amen. Depuis la semaine, mercredi ou la semaine passée, je peux dire, Dieu est en train de nous faire voir des grandes choses. Nous déclarons la bénédiction, bien-aimé. Dieu ne te bénira plus jamais dans cette position négative. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur ou d'une pécheresse. Mais Dieu est capable d'écouter la prière d'un païen. Celui, celle qui n'a pas la connaissance divine. Alléluia. Amen. Pour preuve, Dieu a visité, Dieu a entendu, Dieu a exaucé Corneille, un homme païen. Dieu a envoyé son serviteur Pierre d'aller dans la maison de Corneille pour faire quelque chose, pour lui communiquer. Mais celui ou celle qui a la connaissance divine, bien-aimé, au moment que tu pèches, tu dois savoir que non, Dieu n'écoutera jamais ta prière à toi. Et tu ne seras plus jamais exaucé. Tu ne bénéficieras plus jamais quelque chose entre la main de Dieu. Mais un païen, celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, peut recevoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous prions, mais nous envions les païens. Nous prions, nous sommes des chrétiens, à nous avons la haine vis-à-vis de nos frères païens, vis-à-vis de nos sœurs païens. Non, ils ne connaissent pas Dieu. Elles ne connaissent pas Dieu. Dieu est capable de les faire du bien. Alléluia. Amen. Il est ton Dieu à toi, mais il est aussi leur créateur. Alléluia. Amen. Il est le créateur de païens. Il n'est pas que seulement ton créateur à toi. Toutes les choses que nous voyons ici sur la terre, c'est Dieu qui les a créées. Amen. Ce n'est pas vous et moi. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus des chrétiens, des serviteurs de Dieu, que Dieu est, il est toujours à notre côté. Il n'est plus créateur de ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et son vrai. Nous sommes dans l'ignorance totale. Alléluia. Amen. Il serait mieux de ne plus avoir en toi la connaissance divine, de connaître Jésus. Bien-aimé, attention. Il serait mieux de rester encore dans ta maison, dans ton environnement, dans le monde. Mais au moment que tu as décidé de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas une chose facile. Mais la vie chrétienne est facile. Je dis, ce n'est pas une chose facile, mais la vie chrétienne est facile. Comment la vie chrétienne est facile? Dès que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, Seigneur, dirige-moi.
tout le corps, tout mon corps, tous les domaines de ma vie, Seigneur, dirige cela. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie, un point entré. Amen. Tu verras que non, la vie chrétienne est trop facile. Nous n'arrivons pas. Nous voyons la vie chrétienne est difficile parce que nous donnons une partie de notre corps au Seigneur. Seigneur, dirige ceci. Cette partie ne dirige pas. Seigneur, je t'accepte seulement comme mon sauveur et non comme mon Seigneur. Or, que nous devons recevoir d'avoir Christ dans notre vie comme Seigneur. Deuxièmement, comme sauveur. Comment tu voulais que l'Éternel puisse te sauver et ce Dieu-là ne puisse pas devenir ton Seigneur à toi? Alléluia. La Bible nous peut voir dans ce monde. Nous avons trois types d'hommes. Alléluia. Trois types d'hommes. Nous avons homme spirituel, homme animal, homme charnel. Alors commence-toi maintenant à t'identifier. Tu es homme animal, spirituel ou charnel. Or que la Bible nous recommande d'être, de devenir des hommes, des femmes spirituelles. Ne peut plus rester une femme, un homme charnel. Non, ce n'est pas ton cas à toi. Au moment que tu as reçu Christ de ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, né de nouveau, baptisé d'eau et de l'Esprit, laisse-toi maintenant conduire par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse prendre maintenant totalement la place dans ta vie à toi. Deviens-toi maintenant un homme spirituel, une femme spirituelle. Alléluia. Amen. Que les pasteurs n'ont pas besoin de cela. Vous pouvez que non, vous, ce n'est que vous, vous avez besoin d'être, de vivre mieux, d'avoir de belles maisons, de belles voitures, d'amener une belle vie. Non plus les vos pasteurs. Non, nous avons aussi besoin de cela. Vous pouvez que non, vos pasteurs à vous ont reçu un autre esprit par rapport à vous. Nous avons qu'un seul esprit. Ce n'est qu'un seul esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Ce n'est pas que vos pasteurs ont un autre esprit. Vous aussi, vous avez un autre esprit. Non, nous avons qu'un seul esprit. Nous avons qu'un seul Dieu, qu'un seul Créateur. Entre vous et les élus de Dieu. Alléluia. C'est grave. C'est bien commencé. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 10. Avant d'aller plus loin dans ce livre de Job. D'ailleurs, je ne serai pas long. Jean chapitre 10. Versets 14 à 17. On nous dit ceci. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et ils entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, il connaît très bien ses brebis. Ses brebis aussi le connaissent. Écoute ce qui est important, ce qui est frappant. Je venais de vous dire, bien-aimé, que Dieu peut parler un païen, une païenne. Dieu peut exaucer ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais il ne peut pas répondre, il ne peut pas exaucer la personne qui a la connaissance divine. La Bible dit dans Ésaïe 58, la main de Dieu n'est pas dure, courte pour toucher. Les oreilles de Dieu n'est pas dure pour entendre. Ce qui empêche que les oreilles de Dieu ne puissent pas écouter, ni sa main ne puisse pas toucher ce que nous sommes, nos crimes, nos bêtises, nos négativités, nos péchés. Pendant que un païen ne pêche pas. Une païenne ne pêche pas. Nous pêchons. Voilà pourquoi, par rapport à nos péchés, à travers nos péchés, ça peut qu'empêcher la main de Dieu ne puisse pas nous toucher. Ça peut que repousser la bénédiction de Dieu en nous. Ça peut que repousser
la volonté de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Jésus dit, bien-aimé, je voulais te chauffer maintenant. Je voulais te choquer même maintenant. Si tu crois que non, tu es le seul ou la seule fille et fils de Dieu, je te dis, tu te trompes. Si tu frappes ta poitrine, que non, tu es la seule, le seul serviteur, servante de Dieu, tu te trompes. Écoute la parole de Dieu dans Jean 10. Jésus nous dit ceci. Il nous dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. J'ai encore des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Dieu envoyait Corneille quelque part. Il a fallu que Dieu puisse envoyer Pierre afin d'amener Corneille dans la bergerie. Alléluia. Waouh. J'ai encore d'autres brebis. La personne que tu es en train d'ignorer, c'est un païen, c'est une païenne. Dieu dit que non, c'était aussi brebis. Il est brebis de Jésus. Son temps arrivera. Dieu enverra une personne pour qu'il puisse aller chercher cette brebis et de l'amener dans la bergerie. Alléluia. Amen. Arrête-toi maintenant d'inciter un païen, une païenne. Arrête-toi d'inciter un Corneille. Un Corneille fait mieux que toi. Il y a des païens qui respectent Dieu. Il y a des païens qui ont la crainte de l'éternel Dieu. Par rapport à nous, les chrétiens, qui ont resté toujours dans notre vie comme Seigneur et son Père. Il est Dieu, il restera Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons trembler devant l'éternel Dieu. Bien, mais celui qui te donne le souffle de vie. La Bible dit dans 1 Samuel, notre vie est entre la main de Dieu. Que tu refuses ou pas, ta vie est entre la main de Dieu. Ta vie n'est pas entre la main de tes parents biologiques. Je souligne, n'est pas entre la main de tes parents biologiques. Même tes parents biologiques, leurs vies sont entre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Là où tu regardes, tu jettes tes yeux. Mais c'est Dieu qui a créé ce monde. Ce n'est pas le pauvre diable. Il y a un thème que j'ai préparé ce matin. Je n'ai pas encore lancé cela. Satan, le diable, n'a jamais été reconnaissant à Dieu, à son créateur. Pendant que Dieu l'a créé, mais il a préféré d'envier le trône de son Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Je te donne un autre message. Dieu l'avait précipité sur la terre. Au lieu de rester tranquille, Satan a voulu maintenant détruire l'œuvre de Dieu. Alors je voulais te dire, bien aimé, si tu as l'image du pauvre diable, tant pis pour toi. Pour ne pas aller plus loin dans ce message, c'est notre message. Mais je voulais te dire tout simplement, Satan le diable n'a jamais été reconnaissant à son créateur. Si vous et moi, en tant que des élus, les enfants de Dieu, nous refusons d'avoir à nous la reconnaissance de l'éternel Dieu, juste pour le souffle de vie. Tu refuses même de reconnaître le bienfait de Dieu dans ta vie à toi. À connaître plus fort tes raisons, un être humain comme toi. Alléluia. Amen. Dieu te donne aujourd'hui. Demain tu ignores Dieu. Dieu te donne aujourd'hui. Demain tu fuis Dieu. Dieu te donne aujourd'hui. Demain tu dis n'importe quoi à Dieu. À combien plus forte raison à celui-là, celle-là, qui est fabriqué par l'éternel Dieu. Peut-être qu'il n'a pas de la valeur à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Que bon père s'en amène à bien. Amen. Amen. Je ne suis pas dans un tapasteur de sentiments. Non. Au conseil, la matière à sentiment a bien le mot au moté. Au conseil, l'Iba, la matalio. Au conseil, bon, c'est ton problème. Va chercher ailleurs. Conduite, il a eu un homme de mémélo, mon solo. Conduite, il a eu un homme de mémélo, l'Iba, là.
Conduite nous comme Mémélo l'eau là. Tu seras conduit au Cana. Conseil à la yote. A tout le monde n'a tiré l'eau comme on a une appel sur le l'eau dans la somme. On a au coup de mon sous-soir en Zamba Pessi. Alléluia. Amen. Wow. Jésus dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Amen. Le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Si tu voulais être, de rester chrétien ou chrétien, je voulais te dire ceci. Tu ne peux jamais reconnaître Jésus. Alléluia. Amen. Mais si tu voulais devenir serviteur, servante, disciple de Jésus, ouais, tu auras la connaissance de Jésus. Avec beaucoup de facilité, Jésus aussi aura la connaissance de toi, de ta personnalité. Je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Quand Jésus dit quelque chose, ceux qui connaissent la voix de Jésus, ceux qui connaissent Jésus vont le suivre. Et ils paieront que la volonté de Dieu. Waouh! Dieu dit, Satan, tu étais devenu rebelle. Croyant que non, tu étais tout seul. Tu as vu mon serviteur Job, celui qui a la crainte, celui qui est intègre, celui qui est droit, celui qui fait ma volonté. Satan a voulu maintenant accuser Job. Il a oublié ce créateur-là, c'est bien lui qui sonde le cœur et les reins. Amen. Dieu a déjà sondé le cœur de Job. Aucun jour Job pouvait bien régner l'éternel Dieu. Job n'était pas Pierre. Alléluia. Amen. Job n'est pas égal à Judas. Job était Job. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, dis au Seigneur Jésus de faire quelque chose dans ta vie à toi, comme lui il fait. Ne faut plus perdre ta prière à toi, fais de moi comme tu as fait à Pierre, tu régneras ton Dieu à toi un jour. Fais de moi comme tu as fait à Judas, tu vas aller vendre ton Dieu à toi. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train de vendre l'éternel Dieu? Alléluia. Demain avec Jésus. Demain avec Jésus. Après-demain avec le Dieu de ce monde. Aujourd'hui, chrétien, dans quelques heures après, tu caches ton identité. Je ne suis pas chrétien ni chrétien. Alléluia. Amen. Tala. Le nom de la loi, pas ma prophète. Là, on va se rendre à la tête de la boue du sico. Amen. Hein? Quand on est Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, c'est dit, on a marqué sa bénédiction. Bon, il y a qu'à l'église chaque jour. Mais bon, comprendre que frère Gaïta, il y a qu'à l'église, mais il y a qu'à l'église, à suivre plus que bien. Bon, quand on a dit, il y a l'élo. Naza ou père. Bon comprendre te. Ayaka mercredi te vendredi te. Dimanche ayaka. Mais asui. Par rapport à son cœur. Mais bino à toi yaka. Nada. Oh la monie le c'est catastrophe. À un moment je demande à Dieu si peut-être je perds mon temps. Non, je ne perds pas mon temps. Je suis avec mon Dieu. Ne fût-ce qu'une seule personne. Oh azo yoka. Azotia Misala, ça c'est fini pour moi. A néanmoins, dans la terre, Matou Akenako répété, Mitiraka répétaka. Gloire à Dieu. Beaucoup me disent, on n'a pas ensemble. Mais vous, en tant que de grande, vous n'arrivez pas à mettre cela en pratique. Chaque fois, nous avons reproché, nous avons dit qu'on reproché. Mais la salle qui prie, nous avons dit qu'on ça. Ce qu'on a lobby, au colon en bas la bateau à lobby, au colon en moi ça bateau à lobby, l'image en poisse, non, tant que l'éternel.
Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous pouvons bien dire que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Moi, quand tu te présentes devant moi en disant que non, je suis comme ça, Archbishop, je ne peux pas t'ignorer. Je ne peux pas refuser cela. Je suis prêt de croiser la parole qui sort dans ta bouche à toi. Parce que c'est ton problème à toi. Là où tu t'es croisé avec la vérité, moi je n'étais pas là. À quoi bon de mettre des doutes dans mon cœur? À quoi bon de faire gonfler mon cœur à moi? Tu dis que non, tu es pasteur. Tu es, vois même plus que mon Seigneur, mon Seigneur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais le problème est que, est-ce que Dieu a déjà dit au pauvre diable, Dieu a déjà témoigné ta personnalité, ton identité à une personne que non, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur, point d'interrogation? C'est ça le problème. Le problème que non, Dieu peut souligner aux gens que non, celui-là, c'est mon serviteur. C'est ça le grand problème. Au dernier jour, il y aura la confusion totale. Tu criais Dieu, 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 Jésus, j'espère ceci. Je ne t'ai jamais connu. Examinons-nous cette phrase. Je ne t'ai jamais connu. Tu priais, tu criais, tu gênais, mais Jésus ne te voyait pas. Je ne te connaissais pas. Parce que tu n'étais pas parmi ces brebis. Jésus connaît très bien ces brebis. Et ces brebis les connaissent. Alléluia. Amen. Malgré la frappe de Dieu à Job, Dieu a livré Job dans la main du pauvre diable. Job n'a jamais régné Jésus. La souffrance. Bien aimé, Job a la balle qui tombe au cabine. Il était riche. Il n'y a aucun riche ici là que je peux comparer avec Job. Mais Dieu avait tout récupéré. Job avait 10 enfants. Abraham avait un enfant. Mais Dieu a exterminé tous les 10 enfants de Job. Dieu a éliminé tous les serviteurs de Job. Dieu a effacé toutes les richesses de Job. Dans ce monde actuel, vous pouvez dire que non, Job travaillait avec maman. Job avait la richesse du pauvre diable. Alléluia. Amen. Mais aucun membre de famille de ses serviteurs ont accusé Job qui travaillait avec des trucs. Non. Aucun jour, Job a régné l'éternel Dieu. Mais écoute, Dieu t'accorde le souple de vie. Examine-nous un peu. S'il te plaît. Commence-toi maintenant à examiner là où Dieu t'avait ramassé. Comment tu étais? Examine-toi maintenant. Dans le point de repère, là où Dieu t'avait ramassé. Et commence-toi maintenant à voir là où Dieu t'a amené maintenant. Fongo la mise. Ah, pourquoi pas de dire merci à Dieu? Tu étais une personne qui n'avait pas de la valeur. Les gens, tu étais rejeté. Mais aujourd'hui, tu es devenu une belle personne. Ah, pourquoi pas de dire ne plus que merci à ce Dieu? L'ingratitude ne paye jamais. L'ingratitude ne paye jamais. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils ont la crainte de l'éternel. Ils veulent suivre Dieu comme il faut. Mais vous et moi, bien-aimés, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes retrouvés en Europe. Mais nous, vous voulez aller maintenant où? Dans quel pays, quel continent maintenant? Aux États-Unis? Quand Dieu t'amènera aux États-Unis, tu diras maintenant quoi? Tu voulais aller où? Quand on vous dit que non, l'Europe n'est pas Canaan, n'est pas paradis, vous mettez des doutes. Dieu t'a amené en Europe. Tu as vu maintenant, ce n'est pas la Jérusalem, nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas Canaan. Ce n'est pas Lola. Tu voulais aller maintenant où? Tu voulais que Dieu puisse t'amener où? Lukambo kala yonza masala, toi mes maillots. Écoute-moi. Pendant que nous sommes en vie, pendant que nous vivons ici sur la terre, la souffrance,
les ennemis, la diversité ne seront jamais écartés. Ils seront toujours là. Ceux qui ont lingi biloko na mona ngote kufa, senga liwa panzambi. Demande la mort à Dieu. Parce que tu ne voulais pas vivre, tu ne voulais pas voir tes ennemis, tes adversaires. Tu ne voulais pas souffrir dans ta vie. Demande la mort à ton Dieu. Là, tu ne verras plus jamais toutes ces choses-là. Mais puisque tu es en train de fuir la mort, tu es contraint de te croiser avec ces choses-là. Alléluia. Waouh. Même Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est notre Dieu, fils unique de Dieu le Père, bien-aimé, a souffert. Il a souffert. Il a beaucoup souffert, c'est Jésus. Est-ce que nous sommes plus, nous avons plus de valeur que Jésus? On est plus grand que lui? Si Dieu a beaucoup souffert, à combien de fois vous et moi? Pourquoi un chrétien, une chrétienne n'arrive pas à supporter la souffrance, le frappe de Dieu? Pourquoi il n'arrive pas à supporter les épreuves de Dieu? Oh my God! Mais tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un disciple de Dieu. Oui, je comprends, tu es chrétien, chrétienne, mais tu n'es pas disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus doit supporter les épreuves, la frappe de Dieu. Noir sur blanc, si c'est en couleur, la vie chrétienne, bosana. Bomba et pagina, yo, yo, on a le nom, il n'est pas Yesu. J'aurai le mariage, j'aurai le bébé, j'aurai ceci, j'aurai une belle voiture. Bien aimé, l'évangile de la prospérité a commencé par le pauvre diable dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi beaucoup des âmes de Dieu sont égarées. Le pauvre diable a fait voir à Ève la prospérité. Mange ses fruits. Jésus était venu pour dire à son peuple, le royaume des cieux, le royaume des cieux. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça l'évangile de Jésus. Cours derrière l'évangile de la prospérité. Tu te croiseras avec la mort. Oh my God, tu voulais trouver la prospérité, quel éternel Dieu, obéis-toi à Dieu, quel éternel Dieu. Amen. My God, c'est la révélation. Merci. Wow. Si nous comprenons la parole de Dieu, si nous méditons la parole de Dieu avec la révélation de l'éternel Dieu, nous arrêterons de courir derrière le message de la prospérité. En courant derrière ce message de la prospérité, nous courons derrière la mort. Nous pesons la paix de la mort. Tous ces gens-là qui ont couru derrière la prospérité n'ont pas la crainte de Dieu. Jean-Baptiste est venu et dit, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus nous a fait voir le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas ton père biologique qui te donnera le reste. Ce n'est pas ton mari qui te donnera le reste. Tu viens d'épouser un homme, aujourd'hui tu souffres. Tu viens d'épouser, tu viens d'avoir un enfant, aujourd'hui tu souffres. Tu manques même l'argent pour jeter de l'eau. Si c'est le coup, ce bois-là. Oh my God. Jésus voulait t'encadrer. Jésus voulait te faire du bien afin de devenir un vrai responsable. Mais tu répises. Moïse était devenu un vrai responsable. Après avoir passé dans la fournaise, après avoir été passionné par l'éternel devant les buissons ardents, Moïse était devenu un vrai responsable. Devant la masse, devant la foule immense de ce peuple hébreu, Moïse était un vrai responsable. Bien aimé, devant un seul enfant, devant un seul enfant que tu as, tu n'arrives pas à supporter les caprices de tes enfants, de ton enfant. Tu n'arrives pas à supporter les caprices de ton mari, ni de ta femme à toi. Mais tu n'es pas responsable. Tu dois être passionné par le fait. Frère, sœur, viens, je t'aime beaucoup, tu auras ceci. En Jésus-Christ, nous avons tout.
tu auras la richesse. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. 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 Même si que la Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Voici l'évangile de Jésus. La repentance. Une repentance profonde et sincère. Circoncision du cœur. Voici Jean-Baptiste a dit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il y a encore la multitude de péchés à toi, bien-aimé, mais tu cherches d'avoir beaucoup d'argent. Tu cours derrière le message de prospérité. Tu mourras avant l'âge. Pendant que Dieu dit, je vous accorde 120 ans. Vous vivez pendant 120 ans. Mais non, nos jours à nous sont limités. Parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Jésus a besoin que tu puisses devenir son serviteur, sa servante, un petit disciple. C'est ça la mission dont l'Éternel Dieu a confié à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Moi, je ne forme pas des rebelles. Moi, je ne forme pas des riches, s'il vous plaît. Moi, je ne forme pas des mariés. Moi, je ne forme pas de fécondité. Mais moi, je forme des disciples de Jésus. Mais en néanmoins, la prophétie a été déjà annoncée dans Genèse. Soyez féconds, multipliez-vous. À une seule condition, de respecter les règles de Dieu. Bien-aimé, écoute. Dieu dit à Adam, après avoir les créés, multipliez-vous, soyez féconds. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Montre-moi là où Adam et Ève ont fait l'enfant dans le jardin d'Éden. Ils ont fait leur première piste hors du jardin. Suite à leur désobéissance. Bien-aimé, la multiplication auprès de l'Éternel Dieu, ce n'est pas d'avoir 5 enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une seule fille, c'est la multiplication de Dieu. Multipliez-vous. Vous attendez comment par la multiplication, par ce message de la multiplication. Multipliez-vous. Vous étiez au nombre de Dieu. Dieu a ajouté une personne. C'est combien? Ça, ce n'est pas la multiplication? Amen. Alléluia. Amen. Yo, quand il y a une multiplication, donc il faut monter à 19. C'est ça la multiplication. Alléluia. Amen. L'addition chez l'Éternel Dieu n'existe pas. Il est Dieu de multiplication. Voilà pourquoi il dit 1 plus 1 est égal à 1. Alléluia. Amen. Mais entre vous et moi, 1 plus 1 est égal à 2. C'est à nous que l'addition existe. Chez Dieu, l'addition n'existe pas. C'est la multiplication, ni la soustraction. 1 plus 1 est égal à 1. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de la multiplication. À une seule condition, de l'obéir. De mettre en pratique sa parole. Un point, un trait. Deux fois, Satan le diable se retourna vers l'Éternel Dieu. Après avoir Dieu livré le bien de Job au pauvre diable, Job n'a jamais incité son Dieu. Il était resté fidèle à son Dieu. Mais bien aimé. Deuxième fois, Dieu a livré maintenant le corps de Job au pauvre diable. Job n'a jamais régné Dieu. Sa femme même voulu l'induire en erreur. Dieu trop intègre. Ainsi de ce Dieu épimère. Nous savons comment Job a traité sa femme. Comment Job a enseigné sa femme. Pourquoi tu agis comme une femme insensée? C'est-à-dire cette femme connaissait Dieu.
Elle n'était pas une femme essentielle. Elle connaissait Dieu. Alors pourquoi cette femme voulait induire son mari en erreur? Attention, tes pensées à toi peuvent t'induire en erreur. Tu peux être égaré à travers tes pensées à toi. Je suis marié. Ma femme se représente comme mes pensées. Alléluia. Amen. Je suis ses pensées. Si je suis un mauvais conseiller auprès d'elle, je peux la détruire. Alléluia. Amen. Oui. Je suis serviteur de Dieu. Mais bien, mais il est bon. Il est beaucoup mieux de faire la volonté de Dieu. Pour que Dieu puisse dire que non, celui-là, c'est mon serviteur, c'est ma servante. Alléluia. C'est bien de dire je suis serviteur de Dieu. C'est bien de dire je suis chrétien. Mais deviens-toi serviteur, servante. Deviens-toi disciple de Jésus. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu peux remplacer le nom de Job à ton nom à toi? Ton nom à la place de Job? Tu peux écarter et passer le nom de Job? As-tu remarqué mon serviteur, ma servante Kingandi? Alléluia. Amen. Est-ce que nous arriverons? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Je sais comment je crains mon Dieu. Je sais comment je tremble devant mon Dieu. Je connais très bien mon identité. Je ne mettrai pas de doute dans ma personnalité, dans mon identité, dans ma vie chrétienne. Je sais comment je sers Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir aussi que beaucoup des hommes ou femmes de Dieu n'ont pas de brebis Christ, n'ont pas en eux des brebis de Dieu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs. Dans leurs églises, ce que nous voyons, ce n'est pas le brebis de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le brebis de Dieu. Beaucoup de hommes de Dieu n'ont pas de brebis de Dieu. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Jésus dit, je connais mes brebis et eux aussi me connaissent. Mais nous voyons parfois dans une église, auprès d'un pasteur, auprès d'une servante de Dieu, les brebis qui sont derrière eux ne connaissent pas la voix de Dieu, ne connaissent que la voix de leur pasteur. Alléluia. Amen. Dès que son pasteur parle, un brebis tremble. Mais dès que Jésus parle, il est à l'aise. Il ne tremble pas. Dès que son pasteur parle, il commence maintenant à adorer son pasteur. Quand Jésus lui parle, il trouve ça normal. Alléluia. Amen. Ce sont des brebis de leur pasteur. Ils connaissent que la voix de leur pasteur. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est difficile pour que tous ces gens-là qui sont derrière leur pasteur puissent avoir une bonne connaissance. 30 ans dans la vie chrétienne, tu n'as pas la connaissance divine. Tu n'as pas la sagesse divine. Tu ne sais même pas défendre la parole de Dieu. Donc tu n'es pas compté parmi les brebis de Dieu. Tu ne te trouves pas dans la bergerie. Tu n'as que la connaissance de ton pasteur. Quand on te parle de ton pasteur, tu connais très bien la famille biologique de ton pasteur. De A à Z. Il est deuxième de la famille. Mon pasteur a fait ceci. Je connais très bien l'histoire de mon pasteur. Comment sa vie était. Je connais très bien le quartier de mon pasteur. Je connais même les tantes, les oncles paternels ou maternels de mon pasteur. Tu
connais très bien, tu sais comment identifier la famille de ton pasteur. Mais tu n'arrives pas à identifier même la famille de Jésus. Là où Christ a été né. On te pose la question, tu es incapable de répondre. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la connaissance divine. Tu n'as que la connaissance terrestre de ton pasteur. Tu connais mieux ton pasteur que Jésus-Christ de Nazareth. On te pose la question, Jésus était né où? À quelle date Christ était né? Le 25 décembre. Tu vois maintenant. Et tu as la connaissance divine. Tu es disciple de Jésus. Tu es dans la bergerie. Qui t'a dit que non, Christ est né le 25 décembre? On te pose la question, après avoir Jésus promis à ses disciples qui étaient venus après Jésus. Oh, le Saint-Esprit à travers une personne. Oh my God. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. Même les apôtres vivaient avec Jésus. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont oublié ce que Jésus les a communiqué. C'était les femmes qui étaient parties l'évangéliser que Christ est ressuscité. Ils avaient des doutes en eux. Ils ont couru pour voir si réellement c'est vrai. Mais ils étaient ensemble avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Je comprends. Peut-être que tu n'as pas de révélation. Jésus t'enseigne. Jésus les enseignait. Je mourrai, je serai arrêté, condamné, crucifié. Alléluia. Mais après 3 jours, je serai ressuscité. Jésus a enseigné des hommes, a enseigné des disciples. Le peuple n'était pas là. Mais le jour que Christ était crucifié, le 12, le 10, le 11 n'était pas là. C'était que Jean. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre a couru. Pour voir si le tombeau est vide. Voilà pourquoi quand ils ont vu que notre Christ n'est pas là, fatigué. Ils ont volé notre maître. Jésus n'était pas volé. Mon peuple ne peut pas se marquer la connaissance. Vous ne connaissez pas la connaissance divine. Vous ne connaissez pas la personne qui était à côté de vous. Tu manges avec Jésus. Tu dors avec Jésus, mais tu n'as rien retenu. Mais bien aimé, écoute-moi très bien. Les femmes étaient là où on torturait Jésus. Même Pierre a régné Jésus. My God, c'est une grande bénédiction si tu reçois la parole de Jésus avant sa mort, comme Jean. Jean, voici ta maman. Maman, voici ton fils. C'est une bénédiction que Jean avait reçue auprès de Jésus. Voilà pourquoi il était le dernier de mourir. Voilà pourquoi il a reçu des révélations graves. Oh my God. De rester sous les pieds de Jésus. Là où on crucifiait Jésus. Tu dois recevoir des oracles de Dieu. Que Jésus te présente. Jean, voici ta maman. Maman, voici ton fils. My God. Vous voulez qu'on vous enseigne comment? Amen. Les femmes ont reçu. Marie a dit, merci mon fils. Alléluia. Tu n'es pas perdu. Je n'ai jamais perdu un enfant. Tu m'as remplacé une autre. Tu as remplacé un autre fils à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Jean a eu l'affection de son maître. Jean a beaucoup souffert avec son maître. Il voyait comment on torturait son maître. Il voyait comment son maître était crucifié. Bien-aimé, si tu arrives de revoir toutes ces choses-là, les jours que Christ a été crucifié à cause de toi, de tes péchés à toi, tu deviendras une autre personne. Tu auras la crainte de l'éternel Dieu. Tu ne feras plus jamais de blagues dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Les femmes ont réussi avec beaucoup de facilité. Pendant que Jésus, quand il enseignait les apôtres, les femmes n'étaient pas là. Mais les femmes ont réussi les oracles de loin. Bien aimé, sur la croix qui se n'a jamais enseigné, que je serai ressuscité après 3 jours.
C'était déjà fini. Christ a déjà enseigné. Là, les pâmes ont reçu l'enseignement de la mort de Jésus. La crucifixion de Jésus. Ont reçu l'enseignement de l'enterrement de Jésus. Ils n'ont pas reçu l'enseignement par rapport à sa résurrection. Mais, révélés, ils sont restés dans leur maison. Nous pouvons aller voir la tombe de notre maître pour un peu soigner. Alléluia. Quand ils sont arrivés, maître n'est pas là. Et c'est par là, à ce moment-là, que les anges ont enseigné les femmes. Celui que vous êtes en train de chercher, il n'est pas là. Il est ressuscité. Amen. Comme il avait dit aux apôtres, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Amen. Nous allons nous raconter à Galilée. À quoi bon de refuser une femme sage? À quoi bon de refuser une femme qui a la connaissance divine? Amen. Il y a des femmes qui ont la connaissance plus que des hommes. Amen. Reste-toi ta Pierre. Moi, je peux devenir mari. Pas de problème. Alléluia. Amen. Parce que ce sont ces femmes-là qui ont vécu, qui ont vu en live le tombeau vide. Jésus n'était pas là. Alléluia. Talamoua la moisi keba. Si Dieu te pointe le doigt, fasse beaucoup d'attention. En tant que femme, en refusant de faire l'œuvre de Dieu comme il faut, bien aimé, toute ta vie, tu souffriras. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des femmes qui étaient allées évangéliser la résurrection de Jésus aux apôtres. Et non, les apôtres ont évangélisé auprès de femmes que non, Jésus est ressuscité. Les hommes ont reçu l'annonce et l'enseignement auprès de femmes. Alléluia. Amen. Une femme a de la valeur. C'est la femme qui peut allaiter l'enfant. C'est la femme qui peut allaiter son mari. Alléluia. Amen. C'est la femme qui peut allaiter son mari. Ce n'est pas l'homme qui peut allaiter sa femme. Alléluia. Jésus a présenté la nourriture auprès des femmes. Va présenter ça aux apôtres. Le nom de Dieu, comme l'apôtre a restauré comme l'amibal. Va servir comme l'amibal. Dis qu'à moi ça servir. On retourne bien. Dis qu'à moi ça l'a mis le foufou et ça l'a propre. Bah non, bah non, voilà ma foufou, non, t'as pas mouma, non, mouma. Voilà pourquoi en tant que femme, si tu ne sais pas préparer, tu resteras comme ça. Qui t'épousera? Alléluia. Amen. Yo bino pilipine les gars. Mungwe les gars. So que les guides zangi. Et comme on sait la table, y'a moté. Té, ma ramasser la table des athées. Alléluia. Amen. Pas que ça va ser la table. T'es conquis ça la cuisine. Bah, y'a ma koyan, ma rabien. Oh, papa, l'aime sous sous les coquilles d'abat. Té, il peut coca. Alléluia. Amen. Il peut, hein, les coca. Amen. Arrête-moi avec vos sets de table là. Je suis presque à la fin. Je disais que nous devons savoir aussi que beaucoup des hommes ou de femmes n'ont pas de brebis de Christ. Mais, par contre, ils ont que leurs propres brebis. Voilà pourquoi c'est difficile pour que tous ces gens-là qui sont derrière leur pasteur puissent avoir une bonne connaissance. Alléluia. Amen. Celui ou celle qui est établi par Christ fera que la volonté de Dieu et Christ le témoignera aussi.
même devant ses adversaires. Comme Dieu a témoigné Job devant le pauvre diable. As-tu remarqué mon serviteur Job? Que tu parles ou pas, Dieu a déjà dit, ça restera comme ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire, Augustin, mon serviteur. Augustin, mon serviteur. Mais Dieu n'a pas de préféré. Si je marche négativement, Dieu peut me rejeter. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne fera pas que non, ça ne me poussera pas de devenir orgueilleux. Je paierai encore mieux pour que Dieu puisse continuer à me témoigner. Amen. Le problème est que la Bible dit, vaut mieux la peine d'une chose que son commencement. Amen. Aujourd'hui, Dieu parle mieux pour moi et demain, il parlera aussi mieux pour moi. Amen. Dieu fait couler l'huile dans ma tête. Est-ce que demain, ça sera la continuité? Ça dépend de moi. Dieu n'a pas de problème. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Comment je traiterai mon alliance avec Dieu? Comment je dois entretenir mon alliance avec Dieu? Comment je continuerai à faire l'œuvre de Dieu? Comment j'obéirai à l'éternel Dieu? Comment je dois respecter Dieu? Ça dépend de moi. Dieu n'a pas de problème. Alléluia. Dieu a frappé sa poitrine en disant ceci au pauvre diable. Mon serviteur Job, droit intègre, il me craint. Alléluia. Amen. Jésus dit, faut que je puisse retourner là où on me dit que nos gens, Lazare est enterré. Faut que je puisse retourner là-bas. Parce que Lazare était ami de Jésus. Bien aimé, quelques remarques. Souvent, nous avons l'habitude de dire que Christ est en train de nous perdre. Peut-être toi aussi, tu as fait de telles remarques aux enfants de Dieu, aux serviteurs, servants de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis presque à la fin. Souvent, nous avons l'habitude de dire aux gens que je suis consacré par telle personne. Alléluia. Je suis consacré par telle personne. Je suis consacré par telle personne. C'est Sonny qui m'a consacré. C'est Coutinho qui m'a consacré. C'est Kizyamina qui m'a consacré. C'est Ngalasi qui m'a consacré. C'est Albert Kakenza qui m'a consacré. C'est Denis Lessi. Tu vois que non, ces gens-là, comme était Dieu à toi. Alléluia. Amen. Tu dis ainsi pour faire trembler les uns, les autres. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. J'ai été consacré par telle personne, par une grande personne, par un archibishop. Tu peux être consacré par un archibishop, mais laisse-moi te dire, tu n'as pas l'onction d'archibishop. Tu n'as pas l'onction de grand prophète ni de petit prophète. Alléluia. Amen. Tu peux être consacré par pasteur Coutinho, tu n'as pas l'onction de Coutinho. Tu peux être consacré par Sonny Kapouta, tu n'as pas l'onction de Sonny. Tu peux être consacré par Kizamina, tu n'as pas l'onction de Kizamina. Tu peux être consacré par Kakenza, tu n'as pas l'onction de Kakenza. Ni l'onction de Denis Lessi. Ni l'onction même de Mosengo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous recevons l'onction de Jésus. Amen. Mais le problème est que tu es consacré par telle personne, un grand. Est-ce que cette personne marche ensemble avec Dieu? C'est ça le problème. La Bible dit on donne ce qu'on a. Tu peux te vanter. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux faire trembler ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux ignorer Bethléem, là où Christ était né. Un simple serviteur que les gens n'ont jamais connu. Cette personne était consacrée par un jeune serviteur. Peut-être il a une bonne condition, une communion avec Dieu. Amen. L'onction est de Dieu. Amen.
L'onction est de Dieu. Amen. L'huile est de Dieu. Amen. Alléluia. Waouh. Ce n'est pas ça le problème. Deux. Nous disons souvent, je suis grand. Je suis grand. Jésus dit, si tu voulais devenir grand, sois petit. Si tu voulais devenir grand, sois petit. Amen. Jésus attend que Dieu, il a pu voir à ses serviteurs comment laver le pied des serviteurs de Jean. Jésus a lavé le pied de ses serviteurs. Vous devez faire aussi comme ça. Celui qui lave le pied d'une personne, c'est-à-dire que cette personne-là est petite. Alléluia. Amen. Tu laves le pied de Pierre. Pierre est grand par rapport à toi qui laves le pied de Pierre. Mais en faisant ceci, avec ton humilité, tu deviendras grand. Alléluia. Amen. Donc arrête-toi de dire que non, je suis grand. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tu peux te conquérir avec qui? Retournons dans notre thème. As-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Amen. J'ai été consacré par cette personne. Est-ce que Dieu a déclaré que tu as vu mon serviteur tel? Amen. Je suis grand. Est-ce que Dieu a dit que non, tu as vu mon serviteur grand? Toi. Nous avons souvent l'habitude de dire que non. J'ai totalisé 30 ans, 40 ans dans la vie chrétienne. J'ai beaucoup d'expérience. Alléluia. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Quel temps Samuel a fait sous le pied du sacrificateur Élie? Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Combien des années Dieu a formé Jérémie? Alléluia. Amen. Les apôtres, ils ont fait combien des années sous les pieds de Jésus? Ce n'est pas les années qui comptent. Ce n'est pas les années qui comptent. Et ce n'est pas les années qui comptent. Et ce n'est pas les années qui comptera. Alléluia. Amen. 30 ans dans la vie chrétienne. Bilan zéro. Mais celui qui vient aujourd'hui, 2 semaines seulement, il a réussi. Quatre. Souvent nous avons l'habitude de dire que mon mentor ou mon père spirituel, elle est célèbre. Il est puissant. Il est connu. Alléluia. Amen. Dieu l'utilise puissamment. Il est riche, mon mentor. Mon père spirituel. Il parle 14 langues. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais l'identité de ton pasteur et de ton mentor? Waouh! Waouh! Peut-être ton mentor a l'esprit de Jonas. Quelqu'un qui garde la haine et la colère dans son cœur. Peut-être ton mentor, ton pasteur spirituel, ton père spirituel, il peut que tuer les gens. Peut-être il collabore avec le gouvernement en place. Alléluia! Peut-être ton mentor peut te trahir ses propres collègues dans le monde des ténèbres. Peut-être parmi tous ces serviteurs-là, tous ces serviteurs de Dieu qui ont perdu leur mémoire, la base, c'est ton pasteur, c'est ton mentor, c'est ton père spirituel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que tu as un père connu, célèbre. Est-ce que Dieu te témoigne? Mets d'abord le nom de ton pasteur célèbre à côté. Mets d'abord ta consécration à côté. Mets
d'abord ta grandeur à côté. Mets d'abord ta personnalité à côté. Mais les problèmes, pose-toi la question, est-ce que Dieu te témoigne devant les gens, devant les pauvres diables? As-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Oui, c'est bien. Mais le plus important de bien savoir si nous sommes un. Je terminerai que par là. C'est bien de le dire. C'est bien de te vanter. Alléluia. Amen. Tu as même honte de dire que non, mon pasteur, c'est Évangéliste Augustin. Parce qu'il n'est pas connu. Parce qu'il ne dirige pas 150 membres. Tu as même honte de le dire. Alléluia. Oui, il y a des gens qui font, qui le font. Il y a beaucoup de gens qui ignorent leur papa biologique. Son père est court. Son père n'a pas de l'argent. Son père est pauvre. Tu montres le doigt au papa d'autrui. Celui-là, c'est le papa de notre quartier. Alléluia. Oh, que c'est ton papa biologique. Oh, que c'est ta maman à toi. Parce que ta maman n'a rien. Tu ignores ta maman. Alléluia. Waouh. Tu vis ta sœur, ton frère à toi. Cache-toi. Moi, je suis une grande personne. Cache-toi. Ce maman, les hommes, ma soeur, une famille, n'a pas sombré. Alléluia. Mais ce maman, une sœur, à Batalef, qui te recèle. Tu dois préciser, sœur en Christ ou sœur biologique. Frère en Christ ou frère biologique. Non, c'est mon frère. C'est ma sœur. Ça, c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais pendant que Aza frère s'est rendu, c'est pour moi, il est en bon, à la tito. Il y a un prof qui a ignoré la mise en bande. Parce que vous êtes né dans une famille pauvre. Jésus n'était pas venu pour les pauvres. Mais Jésus était venu pour les pécheurs. C'est ça la différence. Oui, c'est bien de le dire. Mais le plus important de bien savoir. Si nous sommes un, intègre. Si nous sommes intègres, deux. Si nous sommes déjà détournés du mal. Waouh! La Bible dit, Dieu dit au pauvre diable, Job, mon serviteur, se détourna du mal. Alléluia. Amen. Il était quelqu'un de ce monde. Mais il t'a déjà régné depuis. Il a donné sa vie à moi, son Dieu, son Créateur. Si nous sommes déjà détournés du mal, toi, si nous n'avons jamais détourné la femme ou le mari de toi. Alléluia. Amen. C'est bien d'être chrétien, serviteur, disciple de Jésus. Est-ce que tu n'as jamais détourné la femme ou le mari d'autrui? Quatre. C'est bien de le dire. Mais le plus important de savoir si nous avons déjà payé la dot de la femme que je vis avec ou garée dans la maison. Alléluia. Frère en Christ, sœur en Christ. Ba bon bion en ndaku. Sans que ma pèse la yodote. Frère en Christ, tu as garé une personne, une femme, un enfant d'autrui dans ta maison. Comme tu as l'habitude de garer ta voiture dans votre parking. Alléluia. Amen. Pasteur. Tu as été consacré par un homme célèbre. Croyez que non, tu as reçu l'onction venant de Jésus. Oh, que tu as reçu l'onction venant de cet homme célèbre. Voilà pourquoi tu as garé une femme d'autrui, une fille d'autrui dans ta maison sans payer la dot.
Alléluia. Amen. Femme de Dieu, tu as été consacrée. Tu disais que non, je suis grande. Je fais ceci. Ok. Yobalaka va petit pousser. Alléluia. Amen. Tu peux que draguer les brebis de Dieu dans l'église. Tu peux que garer les brebis de Dieu dans ta maison. Oh, petit pousser là-bas. Mais tu prêches la parole de Dieu. Femme, servante de Dieu. Serviteur de Dieu. Quel jour que tu paieras la dot de cette fille que tu as garée dans ta maison? Quel jour tu paieras la dot de cette femme que tu vis avec? Quel jour tu diras à ton copain de venir t'honorer? Alléluia. Amen. Quel jour tu m'honoreras auprès de mon pasteur, auprès de mes parents? La Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Tu prêches la parole de Dieu. Dans ta bouche, le nom de Jésus ne manque pas. Soyons des chrétiens. Mais Jésus dit, l'homme que tu as dans ta maison n'est pas l'homme de ta vie. Parce que tu n'as pas encore donné la dot. La femme que tu as mise dans ta maison, elle n'est pas encore devenue ta femme à toi. Va payer la dot. C'est très important. Arrête-toi de dire que non, tu es servante de Dieu. Tu es chrétien, je peux comprendre. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Alors quel Jésus que tu as créé, tu as reçu dans ta vie pour devenir chrétien? Cinq. C'est bien d'être consacré par tous ces gens-là. D'être grand. D'être 30, 40 ans dans la vie chrétienne. D'avoir un mentor célèbre. Mais le problème est que le plus important de savoir si... si mon mariage a été honoré de tous. Alléluia. Si mon mariage a été honoré de tous. Attends, que pas ya mère. Mère Aza, papa biologique à moi, soit la tête. Alléluia. Amen. Avant d'arriver auprès des mères, tu dois commencer d'abord dans ta belle famille, dans ta future belle famille. Amen. C'est par là que tu commenceras, tu donneras la dot. Amen. Ce n'est pas le maire qui va recevoir la dot. Waouh. Pasteur, homme de Dieu. Au salut liba, la sauce soit pembe. Homme de Dieu. Ok, t'as qu'à la mairie, non. Ah, ma peste qu'à la bambou d'autre. Oh Seigneur. Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien de sa maison d'aller épouser une femme pour son fils. Eliezer a donné tout pour Rachel. Il n'a jamais volé Rachel, Rebecca plutôt. Même Jacob a payé le prix. Il a travaillé doublement. 14 années pour avoir Rachel. Waouh! Tu prêches la parole de Dieu pendant que tu n'as jamais donné la dot. Mais tu vis dans l'impudicité. Je suis célèbre. Je suis grand. 40 ans dans la vie chrétienne. Bilan zéro. 6. Si ta belle famille te connaît très bien. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Tu as pris une femme en otage. Et tu vis avec pendant que ta belle famille ne te connaît pas. Tu connais pas ta belle famille. Tu connais que ta femme à toi, si c'est ton copain à toi, j'ai dit ton copain. Parce que tu n'as jamais été connu par ta belle famille. Waouh! Va régler vite. 7. Oui, tu dis que non, j'ai été consacré par telle personne. J'ai été consacré par telle personne. Je suis grand.
J'ai tout à fait 30 ans. J'ai un mentor qui est célèbre. Mon père spirituel est puissant. Mais c'est maintenant. Pourquoi tu fais que souffrir les brebis de Christ avec autant de paniers dans l'église de Dieu? Pas dans ton église, mais dans l'église de Dieu. Si réellement tu as reçu l'onction de Dieu, pourquoi 5 paniers, 6 paniers? Ça sert à quoi? Alléluia. Tu peux te souffrir les brebis de Dieu avec 6 paniers, avec 7 paniers. Ça fait quoi ces paniers devant le trône de Dieu? Quelle onction que tu as reçue? 8. Tu as été consacré par un célèbre mentor, un célèbre père spirituel. Tu as totalisé 40 ans dans la vie chrétienne. Tu es grand, oui, c'est bon. Mais le plus important, bien-aimé, pour quelle raison tu es devenu cupide? Alléluia. Si réellement tu as reçu l'onction venant de Dieu, si réellement le Saint-Esprit t'enseigne, pour quelle raison tu es devenu cupide? Quelqu'un qui demande que l'argent dans l'église de Dieu. Avant de faire la délivrance, donne ceci. Non, mais j'ai ton côté qu'à sous-sous. On ne vend pas la délivrance ni la guérison. Alléluia. Amen. 9. Tu as été consacré par un pasteur. Tu as un mentor célèbre, puissant, riche. Peut-être aussi courant des jupons, mais tu ne le sais pas. Tu as totalisé 40 ans dans la vie chrétienne. Tu es grand, peut-être grand prophète. Tu ne le sais pas. Mais le plus important est de bien savoir. Savoir si je ferai l'effort de devenir un bon et vrai disciple de Christ. Alléluia. Amen. On vient de te consacrer. Même si que cet homme est impudique. Même si qu'il est célèbre. Mais le plus important, bien-aimé, tu dois devenir un vrai disciple, serviteur, servant de Dieu. Fasse-toi l'effort de devenir un vrai parmi les vrais. De te retrouver dans la bergerie de Jésus. D'avoir un seul berger. Afin de bien identifier la voix de Jésus. Afin de bien reconnaître ton maître à toi. Fasse-toi l'effort d'être consacré, ce n'est pas un problème. De tout être 40 ans dans la vie chrétienne, ce n'est pas un problème. D'avoir un pasteur sorcier qui pue adultère, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Né de nouveau, baptisé d'eau et de l'esprit. C'est à toi maintenant de faire l'effort. De devenir un vrai disciple, serviteur, servant de Dieu. De pâter même ton pasteur célèbre. Alléluia. Amen. Le plus important. Bien-aimé, nous vous enseignons pas seulement que de rester là. Nous vous enseignons pour que vous puissiez devenir de grands, de vrais disciples, de nous dépasser même. Jésus dit cela à ses disciples. Vous pouvez faire même au-delà de moi ce que moi, Jésus, je n'ai pas fait. C'est la révélation de Jésus. Si tu me dépasses, ce n'est pas un problème, tu ne seras jamais mon ennemi. C'est cela, la fierté de Dieu, l'honneur et la gloire de Dieu. Je serai fier de toi. Si on parle d'une personne que Dieu m'a utilisée afin que la personne puisse devenir telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Je ne deviendrai plus jamais ton adversaire, ni ton ennemi. Alléluia. Amen. Ça me fera du bien. Ça fera voir le fruit de Dieu en moi. Que vraiment j'ai respecté les règles de Dieu. Voici maintenant, telle personne est devenue telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Mais la
ça nous fera du mal. Moi, personnellement, ça me fait du mal. Ça me fait mal au cœur. Quand je vois que je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle, que vous êtes en train de recevoir la vraie parole, mais vous êtes toujours dans la même position, ça me peut décourager. Ça me peut décourager. Il faudrait qu'à un moment, Dieu puisse continuer qu'à vous féliciter. Bien-aimé, écoute. Salité na yo koki kokanga bénédiction va te bénir. Si la plaie en zambe zale que non a pas mon rabbin nous sumbara moko, tu peux arrêter la bénédiction d'autrui. Mais je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Ce qui y a de temps pour la bien-être, y a eu mon koki kangama. Alléluia. Amen. Bami sou souba joie. Amen. Y a eu mon koki kangama. Amen. Bami sou souba joie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fini mon message. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.